Salut. Disons, t'es vachement... Salut. Pénélope. Ça va? T'es vachement plus... Samantha. Enfin, vachement plus... Toi aussi. Ça te gêne pas? Bah, j'ai 13 ans. Fais pas chier. J'ai des masses de trucs à te raconter. Bah, vas-y. Ça y est. Ça se voit? Ta copine, Vic, tu peux me filer son numéro? Ah oui? Oui. Comment il s'appelle ce garçon? Philippe. Pénélope est sortie avec lui? Tu peux y aller, j'en ai rien à foutre. Eh ben alors tu sors avec lui, si elle t'en veut, c'est une conne. Ah, dis donc, ta thèse très très bien, mais alors ta fille sublime. Qu'est-ce qu'elle doit vous en faire voir? Pas du tout, parce qu'elle est très calme. Oh là là, beaucoup plus qu'il y a deux temps. Tu l'offres mieux à personne d'autre? Personne d'autre. En panne, en salle, drogué, un coup dur, tu téléphones. On n'avait plus d'argent, on avait du stop. C'était pas des coups durs, ça, justement. Parce qu'on était bien, j'étais heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est heureuse. J'ai jamais... Enfin, j'ai pas encore. Tu comprends? Souviens-toi, on se réveille ébloui ou dégoûté, il n'y a pas de milieu. Alors, ne nous précipitons pas. Bah alors, c'est pas fini? Je t'ai jamais dit ça, avec toi c'est où on se couche ou on se plaque. Bah oui. Tu me passes un coup de fil? Olivia, mon numéro. Vous voulez ce type? Bah, me draguer, qu'est-ce que tu crois? Tu sais qui c'est, Félix? Bah non. C'est un homme. Ok, au revoir. Il a quel âge, ce Félix? Oh, c'est lui. Oh, vas-y, puis tu me diras comment il est habillé. Il est dans le jean, de là jusque là. Il y a quelque temps, tu aurais été désespérée. Comment tu sais? Tu me dis plus rien alors je te vis. Vic, je t'aime.